La capitale française, Paris, était tombée samedi dernier, vous le savez, entre les mains des militantes et militants de la Renaissance de la République démocratique du Congo qui soutiennent Joseph Kabila Kabange. Et dans cette édition, nous allons joindre Adam Chaloué, président de la Ligue des jeunes Benelux, qui réside à Bruxelles, mais qui a pris également part à cette grande marche. En dehors de nos frontières, en Turquie, un séisme meurtrier d'une magnitude de 7,2, les plus puissants depuis 1999, a frappé très fort l'est du pays. Plus de 200 morts, des milliers de blessés et plusieurs disparus. C'est les bilans provisoires, mais qu'il ne reste que saluer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour cette nouvelle édition des formations qui débute d'abord par la capitale française, Paris, qui était tombée samedi dernier. Vous le savez, entre les mains des militantes et militants de la reconnaissance de la République démocratique du Congo, sur initiative du producteur Badivé, des centaines de Congolais ont marché à Paris pour témoigner leur soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La rencontre est partie de la place de la Bastille jusqu'à la place de la République. Nous allons à cet effet joindre à l'instant même Adam Chaloué, président de la Ligue des jeunes de Benelux, qui réside à Bruxelles, qui a pris part à cette grande marche. Adam, vous êtes en ligne. Première question, voulez-vous nous donner un bref compte-rendu de cette marche? Paris est tombé depuis le samedi 29 octobre 2011 entre les mains des militants de la Renaissance de la République démocratique du Congo. Nous étions à peu près une centaine à manifester publiquement en plein Paris notre soutien au chef de l'État. Pourquoi nous avons voulu manifester notre soutien au chef de l'État? Comme vous le savez, l'Europe aujourd'hui connaît des crises. L'augmentation du taux de chômage en Europe, c'est souvent la diaspora qui apporte le soutien à la famille en Afrique. Et nous réalisons que Kabila Kabange peut moderniser, peut mettre fin aussi à la souffrance de la diaspora à partir de l'étranger. Et ils ont manifesté leur soutien au chef de l'État parce que, main dans la main, avec notre candidat Kabila Kabange, Joseph, nous voulons poursuivre le changement et la modernisation de la République démocratique du Congo. Adam, qu'est-ce qui vous a motivé à tenir cette marche, surtout en cette période? D'abord, je vais me rectifier, c'est une minorité. C'est vraiment une minorité des Congolais, apparemment, ne soutiennent pas le chef de l'État. La majorité des Congolais de la diaspora soutiennent le chef de l'État. Et pourquoi ils soutiennent le chef de l'État? Parce qu'ils réalisent que le chef de l'État, c'est un homme de parole. Il y a 10 ans, il promettait la réunification du pays, la normalisation de la vie politique, la relance économique, la réhabilitation du Congo international, la reconstruction du pays. 5 ans après son accession du pouvoir, on a eu à organiser les élections. Le pays s'est réunifié. Économiquement, nous avons eu un taux de croissance à environ 7%. Le Congo est réhabilité dans l'international parce que nous avons eu à participer dans les organismes internationaux. Entre autres, la présidence de la communauté économique de l'Afrique centrale, la vice-présidence de la SADC, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un homme de parole. Quand il a été élu, il a promis aux Congolais les 5 chantiers de la République. Les infrastructures, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, le logement, l'emploi. Au jour où je vous parle, le pays se modernise, les routes sont construites, les écoles, les hôpitaux. Depuis 1954, la République démocratique du Congo n'a plus construit d'université. C'est que Kabila Kabange, depuis son accession au pouvoir, elle a pu construire 2 universités. Donc je peux dire que c'est vraiment un homme de parole. Et le 14 septembre, promet aux Congolais de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent. Dernière question, Adam. N'avez-vous pas connu de la résistance de la part des combattants? Ils étaient escortés par la police française. Il n'y a pas eu d'incident. Nous avons été vraiment très, très bien sécurisés. La manifestation s'est très bien déroulée, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous étions à peu près 100. Il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de casse. La manifestation s'est très bien déroulée. Et donc, nous étions très contents à manifester publiquement, en plein Paris, notre soutien au chef de l'État. Merci beaucoup, Adam. C'était Adam Chaloué en direct de Bruxelles. Sachez également qu'une autre marche est prévue le samedi 19 novembre 2011, toujours à Bruxelles. Une autre marche de soutien à Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, candidat à l'élection présidentielle de novembre, a été organisée à Namibie. Les Congolais de ces pays voulaient démontrer leur soutien, mais aussi manifester contre toute forme de manipulation politicienne. Suivez. C'est une marche pacifique des Congolais vivant en Windhoek, en signe du soutien au président Joseph Kabila, à 3 jours seulement du lancement de la campagne électorale. 2 effigies du candidat Kabila et 2 insignes du PPRD en main, ses compatriotes qui partagent les idéaux du parti présidentiel apportent leur soutien lointain à l'initiateur de leur parti et autorité morale de la majorité présidentielle en cette période des élections. Pour ces Congolais vivant en Namibie, les bilans politiques de Joseph Kabila étaient un atout important
en cette période où différents prétendants au fauteuil présidentiel vont solliciter le suffrage du peuple. Sans annonce de candidat sur ce plan-là, qu'on travaille en paix, pas de violence. Le pouvoir n'appartient pas aux violents, le pouvoir appartient aux gens qui le préfèrent. Amen. Oui, oui. Pour conclure, on est derrière notre président. Tous les chefs de la SADC sont derrière notre président. Tous le peuple congolais de la SADC sont derrière le président. Même s'ils n'auront pas droit de déposer les bulletins dans les urnes, leur avis sur les différentes challengers pourra aussi influencer les choses pendant la campagne électorale au pays. Et puis toujours en rapport avec ces différentes organisations et entrées au soutien du chef de l'État, nous recevons Jean-Claude Fouamba, qui est président du PPRD SADC Namibie. Bienvenue. Bienvenue. Loin de la République démocratique du Congo, pourquoi une filière du PPRD en Namibie? C'est quoi l'objectif? Merci beaucoup pour la question. Loin de la République, c'est vrai, une filière de PPRD en Namibie, à Windhoek, c'est justement pour renforcer les liens d'amitié qui existent entre notre parti, le PPRD, et les autres partis politiques sœurs dans la région de la SADC, spécialement avec le parti SWAPO, qui est le parti au pouvoir dans le pays qui nous reçoit, la Namibie. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir une représentation là-bas afin de renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux parties sœurs. Et puis les premières élections ont eu lieu en 2006. Que l'on sache, vous n'avez pas eu à organiser des marches de soutien. Pourquoi seulement en 2011? Oui, en 2006, nous n'avons pas organisé une marche de soutien. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore mis sur pied une structure PPRD en Namibie. Mais lors du passage du président national de la Ligue des jeunes, Francis Kalombo, à Windhoek, il a découvert des Congolais motivés, prêts à soutenir l'excellence Joseph Kabila Kabangé. C'est grâce à son initiative que nous avons mis sur pied une structure de PPRD et nous sommes opérationnels pour pouvoir montrer le contraire à la communauté internationale et à tous ceux qui pensent qu'ici, il n'y a rien qui se passe. Justement, vous le faites pour attirer l'attention du chef de l'État ou encore par amour du pays? Merci beaucoup. D'abord, c'est par amour du pays. Nous devons montrer à la face du monde et à la communauté internationale et aux Congolais qui vivent en Namibie en particulier qu'au pays, il y a un travail qui est en train d'être fait. Parce que nous aimons notre pays, nous devons vendre l'image de marque de notre pays. Et de deux, nous soutenons le chef de l'État qui est l'acteur principal de tout ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement et c'est lui qui est en train de conduire toutes les activités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du PPRD Namibie, SADC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. En actualité, en bref, ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Les travaux de construction du pont devant relier la République démocratique du Congo et le Rwanda par la rivière Ruzizi au sud Kivu ont débuté. Ceci dans le cadre de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Et les travaux de construction de cet ouvrage long de 62 mètres et 11 de large coûteront 3 500 000 euros financés par l'Union européenne. Et en Turquie, nous le disions au sommaire de cette édition, un séisme meurtrier des magnitudes de 7,2, les plus puissants depuis 1999, a frappé très fort l'est du pays. Plus de 200 morts, des milliers de blessés et plusieurs disparus. C'est les bilans provisoires, mais qui ne fait que s'alourdir. Ces tremblements de terre a causé des dégâts matériels incroyables. Grâce Michel Mkonkole. La terre a fortement tremblé hier dimanche dans la région de Vanersis, près de la frontière iranienne. Un séisme de forte magnitude entre 6 et 7 sur l'échelle de Richter selon les institutions, avec plus de 70 répliques. Panique dans tout le pays, mais aussi drame. Dans cette agglomération de 100 000 habitants, le bilan ne fait que s'alourdir. Selon le centre de sismologie d'Istanbul, il pourrait y avoir entre 500 et 1000 morts. Des morts et des dégâts supplémentaires étaient signalés en provenance de petits villages reculés, généralement sans électricité ni liaison téléphonique. Sans répit, les secours travaillent depuis la nuit pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous des décombres. À main nue, armés de pelles, ils tentent de dégager les ruines sous lesquelles ils pensent entendre les voix de survivants. Certains ont passé la nuit dehors comme ces personnes. On nous a donné des couvertures, on a allumé des feux et on essaye de se réchauffer. Votre maison s'est effondrée? Oui, complètement. Mon cousin, sa femme et leurs trois enfants ont été tués. Un autre de mes cousins est mort, mais ils ont retrouvé sa femme en vie. Plusieurs autres personnes se trouvent dans les décombres.
Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au chevet des blessés, par ailleurs rejeté l'aide internationale avec qui leurs relations sont refroidies depuis l'attaque de la flottille sur Gaza en 2010. Pour lui, la Turquie fera toute seule face à cette situation. Justement, à ce sujet, il doit réunir ce lundi son gouvernement. En novembre 1976, la région de Van avait été frappée par un puissant séisme avec 5291 morts confirmés. Et la nord-ouest turque frappée par deux puissants séismes en 1999 qui avaient fait plus de 20 000 morts. En sport, la 16e édition de la Ligue Foot appartient désormais au passé. L'ultime rencontre qualificative pour la Coupe de la CAF s'est jouée hier dimanche au Stade des Martyrs. Des CMP et Loupopo se sont neutralisés, un nul d'un but partout. Un score qui profite au Loupa qui, grâce à moins de défaites que des CMP, se qualifie en Coupe de la CAF. Avant cette rencontre, le Daring a vu son goal average de plus 6 s'annuler pratiquement, contraint à une victoire impérative devant Loupopo, d'autant plus que l'organisateur s'est dit en cas d'égalité, seule l'équipe qui aura moins de défaites sera qualifiée pour la Coupe de la CAF. Une contrainte qui a tout de même dopé les Immaculés à une bonne entame de cette rencontre. Déterminé à sauver sa saison, les Daring s'est créé des occasions nettes de but, mais sans les concrétiser. À force d'attaquer, sans trouver les chemins défilés, les Verts et Blancs sont pris à contre-pied sur cette contre-attaque à la 16e minute de jeu. Dans la confusion, Tamundele loge le cuir au fond défilé des Matampi. Loupopo mène 1-0. L'équation s'est durcie. Il faut alors marquer deux buts pour éviter une saison blanche. Il ne reste plus que 45 minutes pour les DSMP. Au retour des vestiaires, les dispositifs tactiques des Verts et Blancs changent avec la montée aux avant-postes d'Igladys Boukessé qui réussit tout de même sa mission, déstabiliser la défense des Lumpa jusqu'à cette égalisation de Ilongo qui reprenait les centres de Bivala à la 75e minute. 1-0. Le nul étant à leur avantage, en infériorité numérique, les Lumpa installent un faux rythme jusqu'au coup de sifflet final et se font ainsi une place en Coupe de la CAF. Côté Daring, c'est une saison blanche qui se confirme au grand désarroi des Imaniens qui pourtant espéraient mieux de leur équipe. Ils sont donc 4 qui représenteront la RDC en compétition africaine interclub la saison prochaine. Mazembe et V-Club en Ligue des Champions, Chinkunku et Loupopo en Coupe de la CAF. Et puis les championnats de la tente provinciale de football de Kinshasa s'est clôturé le samedi dernier avec une précieuse victoire du Racing Club de Kinshasa sur Olympique Club de Kinshasa. Cette victoire d'un but à zéro permet à RCK de terminer à la deuxième position de ces championnats provinciaux. Cinquième au classement partiel de la Ligue nationale de football avec 19 points, ex aequo avec le Saint-Éloi Loupopo et le Daring Club Motema Pembe, le Racing Club de Kinshasa vient de finir deuxième au classement général du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Ceci après sa victoire d'un but à zéro sur Olympique Club de Kinshasa le samedi dernier au stade Tata Raphaël lors de la clôture de ces championnats de l'EPFKIN. Avec 75 points, RCK détrône MK Étanchéité et se qualifie pour la prochaine Lina Foot, bien que cette dernière pour échanger des formules.